de la Nations League pour la Belgique. Ce sera mardi face à l'Islande. Et justement, Batshuayi, il est servi dans la surface. Et cette fois-ci, la Belgique qui prend le large au tableau d'affichage 3-0. Lukaku a marqué en première période. Et bien Batshuayi, son remplaçant, fait de même en seconde. On venait de parler de lui, Missy Batshuayi. Énorme erreur de relance de Mulgrew. Le pied gauche incertain, récupération de Dembélé. Il était déjà là lors du premier but. Il donne à Eden Hazard. Et Eden Hazard, après son but, délivre une passe décisive à Missy Batshuayi. Très bon décalage. Mulgrew à nouveau en difficulté dans son placement. Il n'a pas senti effectivement le défenseur écossais que Batshuayi avait pris le large. Ouais, c'est une double erreur puisque la relance dans l'axe est très maladroite. Et ensuite, il ne suit pas son joueur. Et dans la foulée, trois matchs tout au long de la journée, au moment où Batshuayi vient inscrire un doublé. Missy Batshuayi qui n'est pas inquiété à l'entrée de la surface de réparation et a frappé, c'est cadré, c'est dedans, ça fait 4-0. Ah, Missy Batshuayi qui avait retrouvé des couleurs en fin de saison dernière avec le Borussia Dortmund. Il est parti en Liga cet été. Il est toujours aussi efficace, encore des problèmes de relance côté écossais. Un superbe tacle de Tielemans. Accélération, frappe du droit pour tromper Gordon. Joli tacle du monégasque Tielemans. C'est lui qui fait tout le travail de récupération. Et ensuite, encore ce pauvre Mulgrew qui ne vient pas intervenir et laisse trop de champ à Missy Batshuayi. La frappe est parfaitement placée, petit filet au ras du poteau. L'heure de jeu. Il se l'est construit tout seul ce but, Missy Batshuayi. Déjà 4-0. Attention, les Écossais, ça défile.